Il y a le proviseur d'une école à Saint-Georges-sur-Bauche dans le 89 qui a été accusé d'être très très méchant par la France insoumise et qui du coup va porter plainte et poursuivre en justice la LFI. Et en gros, pourquoi il est accusé d'être très très méchant? C'est parce qu'il a osé faire respecter la laïcité et refuser l'accès à son école à trois filles voilées. En gros, il a osé faire respecter la loi. Et on se rappelle que la LFI, leur objectif, c'est de faire sauter toutes les lois, plus aucune frontière, on fait absolument tout ce qu'on veut, il n'y a plus aucune limite, on peut tuer les gens, c'est pas grave, plus de prison, plus de prisonniers, plus de police. Donc forcément, on va faire respecter la loi, c'est très problématique pour la LFI. On va mettre les petits filtres anti-droit d'auteur, même si en soi, il n'y a pas de vidéo, c'est un audio. Retour en France à présent, accusé d'être raciste et islamophobe, un proviseur porte finalement plainte contre la France insoumise. Le principal du collège Jean Bertin de Saint-Georges. Et il a raison parce qu'il y en a marre en fait des diffamations et des calomnies de la gauche en toute impunité, qui crachent sur les blancs, sur les Français, sur les chrétiens, ils ont rien. Il y en a marre en fait. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs comme ça. Saint-Georges-sur-Bauche, dans l'Yonne, avait, souvenez-vous, demandé le 23 mars dernier, lors de la journée porte ouverte, à trois femmes de quitter son établissement car elles étaient voilées. Il avait été accusé de racisme par LFI et a donc fini par déposer plainte. Une bonne chose, estime Martin Garagnon, vice-président de Renaissance des Hauts-de-Seine, qui s'étonne même que cette plainte contre LFI ne soit pas arrivée avant. Parce que c'est leur parti qui attise cette haine et cette tension permanente. Leur haine de la police, ils l'ont exprimé à plusieurs reprises, leur haine de toute forme d'autorité, leur haine aussi finalement de nos institutions, puisqu'ils passent leur temps à délégitimer le vote démocratique, le processus démocratique. Et cette défiance qui s'exprime sur le plan politique, elle participe effectivement à un sentiment finalement que tout peut être contesté. Non, en France, il y a des règles, il y a des lois, il faut pouvoir les assumer si on veut continuer à pouvoir vivre ensemble. Il y a des propos recueillis par Antoine Bienveau pour Europe 1. Alors là, celui qui vient de parler, c'est le vice-président de Renaissance, du parti d'Emmanuel Macron. Là, la LFI sont tellement radicaux que même les macronistes sont obligés de soutenir les droitards parce que c'est trop violent. Et donc en fait, les gauchistes font monter la droite. Alors qu'à la base, ils sont là pour lutter contre. Mais ils sont tellement extrémistes qu'ils se retrouvent à être un tremplin pour la droite. Pour une fois que je suis d'accord avec Renaissance, LFI, c'est tout sauf un parti républicain. En tout cas, soutien au directeur. Il a fait son boulot comme le dit la loi. Le directeur a énormément de courage quand on sait que personne ne le soutiendra. Nos gouvernants pensent 9 juin, donc les élections européennes. Moi, ça fait 2 semaines que j'en parle sur les réseaux sociaux de cette histoire. Le directeur de l'académie avait ordonné au directeur de s'excuser, mais le recteur fait beaucoup plus haut, lui a donné raison et il a porté plainte contre LFI. Nous avons affaire à un parti qui s'appelle la NUPES Écologie Les Verts, qui sont néfastes à la France, ne respectent pas la démocratie, ne respectent pas la loi laïcité. Ils se servent des islamiques pour essayer d'avoir des voix pour se faire élire. Parce qu'en gros, ils savent qu'ils font plein de bébés. Et ils se disent qu'en les soutenant, peut-être que d'ici 15-20 ans, ils seront au pouvoir. Sauf que moi, je pense que même parmi les étrangers, il y en a plein qui votent à droite, hein. Parce que vouloir la sécurité et la laïcité dans un pays, c'est tellement du bon sens que tu peux pas cacher ça, hein. Tu peux pas empêcher le bon sens d'être sur le devant de la scène. Et même parmi les étrangers, il y a une majorité de gens qui votent à droite. Moi, ma famille est étrangère à la base. Là, j'ai plus de sang portugais que de sang français en moi. J'ai 46% de sang français. Je vote Marine Le Pen, je dirais même plus. Au premier tour de 2017, j'ai voté Zemmour. Mais du coup, en fait, j'ai réalisé que Zemmour peut pas être élu. Mais et que si on veut la droite au pouvoir, c'est Le Pen qu'il faut élire. Parce qu'au final, si tu votes Zemmour, c'est un vote blanc, d'accord? C'est triste, hein, mais. Du coup, bah, Non. cette année, je voterai Le Pen et pas Zemmour. Mais pourtant, dans mes convictions personnelles, c'est Zemmour que j'aurais voté, hein, d'accord? Ici, ça fait un moment que c'est sorti, mais il se passe tellement de dingueries en France que j'ai trouvé
J'ai pas trouvé le temps en fait pour en parler. Mais le lendemain du meurtre de Shemseddine, qui lui-même est arrivé le lendemain de l'agression de Samara, il y a eu un autre jeune qui se sont fait enfin qui s'est fait défoncer par 5 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans à Tours, pendant qu'il y en avait une autre qui filmait. Parce que bah, c'était vachement drôle quand même. Et du coup, on va regarder ça. Psyodélique, on a déjà parlé. Mais il y avait trop de trucs. Hein. Même cette vidéo-là, je pense qu'elle sortira genre mercredi ou jeudi. Parce qu'il y a trop de trucs. Je peux pas parler de tout. Ou alors, il y a 10 vidéos par jour sur la chaîne. Mais vous ne pouvez pas tout suivre. Déjà, là, je suis à 4 vidéos par jour. Et il y en a qui me font la remarque que c'est trop. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas assez. Si je voulais pouvoir parler de tout, il faudrait que je fasse un truc comme 6 vidéos par jour, d'accord? Une adolescente a été agressée dans le quartier du Beffroi à Tours-Nord, mercredi 3 avril 2024, par un groupe de 5 filles, âgées de 11 à 15 ans, qui ont filmé la scène avec un téléphone. La victime a été sérieusement blessée au visage. Les coups, d'une brutalité inouïe, ont été portés dans un jardin à proximité de l'école Jules Verne, dans le quartier du Beffroi à Tours-Nord. Mercredi 3 avril 2024, vers 16h30, 5 adolescentes ont défoncé une jeune fille de 14 ans et filmé la scène avec un téléphone. Des informations confirmées à la Nouvelle République par la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, vendredi 5 avril 2024. Les images de la vidéo, visionnées par les forces de l'ordre, démontrent une volonté claire d'humilier la victime, mais révèlent surtout une agression d'une extrême violence avec un déferlement de claques, de coups de poing, de coups de pied, alors que la victime est recroquevillée au sol. Frappée au visage, tirée par les cheveux, elle présente des ecchymoses et un nez cassé. 7 jours d'incapacité totale de travail lui ont été prescrits. C'est tous les jours, hein, d'accord? Des coups de pied quand la victime est au sol. C'est la marque de fabrique de qui, déjà? Sandrine Rousseau veut dire que c'est très très méchant. Cela devient quotidien. Et pour finir... Là, c'est une jeune fille qui va témoigner, qui va expliquer sur Europe 1, un peu comme Samara, qu'à cause des musulmanes dans les écoles, elles doivent être très discrètes, pas trop se maquiller, avoir des vêtements qui recouvrent beaucoup leur corps, etc. Alors qu'elles n'ont pas envie. Mais la pression est telle qu'elles le font pour survivre dans les écoles. Et ça s'appelle comment, les amis? Ça s'appelle... le féminisme. Sarah, 15 ans, est scolarisée au lycée Alfred de Musset de Vaux-en-Velin et pour y aller chaque jour, elle tient à se faire toute belle, jeans serrés, petit haut moulant, sans oublier le maquillage assez prononcé, fond de teint et mascara, ce qui ne plaît pas à certaines amies de son âge. Quand par exemple ils vont voir une fille beaucoup maquillée, s'habiller comme, je sais pas, mettre des trucs courts ou quoi, bah ils vont dire ouais, genre si t'es musulmane, bah t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de t'habiller comme ça, t'as pas le droit de te maquiller comme ça, tu dois être discrète et tout. La religion ne tolère pas ça, c'est aussi l'argument utilisé pour reprocher à Jana, étudiante de 20 ans, sa tenue, leggings, veste et ongles peints. Il y a beaucoup de jeunes filles du même âge qui vont avoir tendance à, pour nous remettre dans le droit chemin, à nous dire vaut mieux que tu t'habilles comme ça ou comme ça, peut-être moins me maquiller, pas m'épiler les sourcils. Et c'est vrai que les leggings, ça pouvait potentiellement déplaire. C'est moulant et on voit les formes des femmes. Des jeunes filles qui ont choisi de ne pas céder à cette pression qui s'exerce parfois jusque... Même les leggings, c'est trop violent pour les musulmans parce que ça te moule. Et du coup, on voit pas ton corps, mais on peut le discerner. Et rien que discerner ton corps, c'est trop violent. Donc il faut vraiment un pantalon large, où on voit plus rien, en fait. Dans la famille, mais aussi sur... Il faut un voile, quoi, en fait. Il faut un voile intégral. Sur les réseaux sociaux, où une conception très rigoriste de l'islam tente à se développer. Vaux-en-Velin, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Et ils avaient dit, la religion ne tolère pas ça. On est à l'école, hein. On parle d'adolescentes. On est en France. De toute façon, là, 2024, ça va être l'année où tout va péter. Hein. Ça serait incroyable que ça continue comme ça jusqu'en 2025, sans qu'il y ait absolument aucune nouvelle réforme. Hein. Là, il y a trop tout qui pète. C'est plus possible. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Même les filles interrogées, elles ont un langage de banlieue hyper agressif. C'est horrible. On a des centaines de milliers comme ça en France. C'est fou. Alors oui, j'ai pas fait la remarque, mais là, c'est un peu une wesh-wesh, hein, celle qui témoigne. Elle a fait, ouais, genre, ouais, et puis là, c'est un peu bizarre quand elle parle.
Cela n'est pas une question d'islam, mais de bonne éducation. Les ados doivent se consacrer à leurs études, pas devenir des objets S, ni provoquer les garçons par leur tenue et maquillage outrancier. Il y a des établissements scolaires où la tenue correcte est exigée. Les racailles islamisées font la loi en France Arabia. Direction République islamique. Bref, en tout cas, Sarah, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.